Hey yo, salut à tous les gamers, les gamers, c'est Monsieur Moret. Aujourd'hui, pour un nouvel épisode d'Affaires Criminelles, je sais que celui-là, vous l'avez attendu, tout simplement parce que ça fait 10 mois que je n'avais pas proposé cette série. Donc aujourd'hui, l'épisode 18 est pour vous, donc vous l'aurez vu dans le titre. Pour cet épisode d'Affaires Criminelles, nous allons parler de la tuerie de Charlie Hebdo. Donc c'est un sujet qu'on m'a beaucoup demandé au moment où ça s'est passé, donc en janvier, mais je pouvais pas vous proposer parce que c'était vraiment pas le moment, et surtout parce que je n'avais pas assez d'informations donc sur l'affaire. Aujourd'hui, 8 mois après les faits, j'ai réussi à regrouper un peu plus d'informations sur cet attentat, et donc je vais vous les raconter. Donc ça démarre le mercredi 7 janvier 2015 vers 11h30. Deux hommes vêtus de noir et cagoulés portent donc des armes automatiques de type Kalachnikov et vont ouvrir le feu au siège de Charlie Hebdo à Paris, qui à ce moment-là est en pleine conférence de rédaction. Ils vont tuer plusieurs collaborateurs, dont des dessinateurs, un invité du journal, un agent d'entretien et deux policiers. Ensuite, donc ces deux hommes vont s'enfuir en voiture vers le nord-est de Paris et vont changer de véhicule en braquant un automobiliste. Donc là, maintenant, je vais vous recenser l'ensemble des personnes décédées suite à l'attaque de Charlie Hebdo. Donc il y a les journalistes et dessinateurs Jean Cabu, donc qui dit Cabu, Stéphane Charbonnier, donc c'est Charb, Philippe Honoré, Bernard Vellac, donc c'est T-News, Georges Volinsky, Bernard Maris, Elsa Kayat, Mustapha Ourad, donc qui était le correcteur de Charlie Hebdo, Michel Renaud, donc qui était ancien journaliste et invité du jour de la rédaction, Frédéric Boisseux, donc qui était agent de maintenance, Franck Brinsolaro, donc qui était brigadier chargé de la protection personnelle de Charb, et Ahmed Merabé, donc c'est le policier qui a été tué, dont la vidéo a fait le tour du monde et le tour d'internet, que je ne reposterai pas forcément sur cette affaire car la vidéo est insoutenable. Moi-même, en l'ayant vue, j'ai eu froid dans le dos. Mais par contre, si vous voulez la voir, je vous invite à rechercher un peu sur internet, mais en tout cas, elle ne fera pas partie intégrante de cette affaire criminelle. Voilà. Donc cet attentat de Charlie Hebdo, c'est le plus meurtrier de ces 50 dernières années en France. Donc à tel point que le président, donc en personne, va se rendre immédiatement sur les lieux de l'attentat et va annoncer une journée de deuil national pour le lendemain. Donc c'est une mesure qui est très rare parce qu'elle a été prise seulement à 5 reprises sous la 5ème République. Donc le plan Vigipirate va être élevé au niveau d'alerte attentat, donc en Ile-de-France. Plusieurs perquisitions vont être effectuées donc successivement à Strasbourg, en région parisienne, à Reims et à Charleville-Mézières, donc dans les Ardennes. La police, suite à la découverte d'une carte d'identité d'un des deux ravisseurs, va rechercher Chérif et Saïd Kouachi, qui ont 32 et 34 ans chacun. Ils sont nés à Paris et suite à cet attentat, donc les réactions vont se multiplier dans le monde entier. Donc le slogan « Je suis Charlie » va être créé et va se répandre sur les réseaux sociaux, dans la rue. Et en une soirée, plus de 100 000 personnes manifestent en France, dont 5 000 à Bordeaux. Et d'autres rassemblements vont se tenir dans plusieurs villes européennes et également à New York, Washington et au Canada. Ça prouve que cette affaire donc, a été vraiment prise à cœur par les Français, mais également par le monde entier. Et maintenant, donc, nous allons passer au jeudi 8 janvier, donc au deuxième jour. Et là, c'est là que la traque va continuer. Donc la veille, la traque avait commencé. Donc les policiers recherchaient donc les deux fugitifs. Et en début de journée, malheureusement, une policière municipale va être tuée et un agent municipal grièvement blessé, donc à Montrouge. Donc ça se trouve dans les Hauts-de-Seine, près de Paris, lors d'une fusillade dont l'auteur présumé s'enfuit. Les frères Kouachi vont être ensuite reconnus en matinée en Picardie par le gérant d'une station essence qu'ils ont agressé près de Villers-Cotterêts. À visage découvert, ils étaient armés donc de Kalachnikov et disposaient d'un lance-roquettes dans leur voiture selon la vidéosurveillance. Donc ça prouve que la police et la France a affaire à des personnes vraiment entraînées et préparées et non à des amateurs. Et c'est la première fois, donc suite à cette affaire, que le RAID et le GIGN vont se déployer ensemble et vont entre guillemets faire équipe. Et suite à cela, même la Picardie va être placée sous la vigilance d'alerte attentat. 9 personnes suite à cela vont être placées en garde à vue. Et une vaste zone rurale à 80 km au nord de Paris donc, va être passée au peigne fin à l'aide d'hélicoptères et donc d'agents de police et de gendarmes. Les journaux
vont s'habiller en noir. Donc quand je dis s'habiller en noir, vont être en deuil. Et donc beaucoup d'anonymes vont déposer des fleurs, des crayons, des bougies ou des messages près du siège de Charlie Hebdo où a lieu la fusillade. À midi, donc le jeudi 8 janvier, la France va observer une minute de silence et le glas va sonner donc à Notre-Dame. Donc le glas, c'est le son de cloche qui est utilisé lorsqu'il y a des enterrements. Et la tour Eiffel va même s'éteindre quelques instants vers 20h. Vers 22h, la dernière opération de recherche va être effectuée dans l'Aisne. Les deux hommes sont qualifiés de héros djihadistes par la radio de l'organisation de l'État islamique. Les frères Kouachi, ça on l'a su un peu plus tard, ont été depuis des années sur la liste noire américaine du terrorisme. Donc selon des responsables américains, donc ils étaient fichés par les autorités américaines en étant des terroristes. Et maintenant nous allons passer donc au vendredi 9 janvier, donc le jour où la France va être entre guillemets délivrée lorsque les trois suspects vont être abattus. Donc vers 8h, la traque va reprendre et va s'étendre jusque la Seine-et-Marne. Donc ça se trouve au nord-est de Paris. Et c'est à ce moment-là qu'une fusillade va éclater entre les policiers et les frères Kouachi, qui ont été reconnus par une automobiliste à laquelle ils ont volé donc une voiture. Les fugitifs, donc sont lourdement armés comme je vous l'ai dit, vont se retrancher avec une personne en otage dans une imprimerie de Dammartin-en-Goële. Donc c'est pareil dans le nord-est de Paris. Le village, donc, qui comporte 8000 habitants, va être bouclé par les forces de l'ordre, soutenues par 3 hélicoptères. Donc en gros, le village va être entre guillemets annexé, vidé, afin que les forces de l'ordre puissent effectuer leur travail comme il le faut et qu'il n'y ait pas de balles perdues ou quoi que ce soit. Le suspect de Montrouge, ensuite, donc comme je vous ai parlé juste avant, où il y a eu donc une policière et un policier de décédé, va être identifié grâce à son ADN qui va être découvert sur une cagoule qu'il a laissée sur les lieux lors de la fusillade. Et deux interpellations ont lieu dans son entourage. Vers midi, plusieurs sources policières vont affirmer qu'une connexion a été établie entre le suspect, donc qu'on ne connaît pas encore son nom, et les frères Kouachi. Vers 13h, une fusillade va éclater porte de Vincennes dans l'est de Paris, où une prise d'otage est en cours dans une épicerie cachère. Donc c'est l'hyper cachère, le magasin. Et le tireur de Montrouge impliqué dans cette nouvelle fusillade va être identifié. Et donc c'est Tamedi Koulibaly, donc un délinquant multirécidiviste de 32 ans, qui avait rencontré donc Shérif Kouachi en prison. La France va être bouleversée parce qu'à ce moment-là, elle se retrouve face à une double prise d'otage, l'une à l'imprimerie et l'autre à l'hypercachère. Donc c'est une situation inédite pour le pays. Et donc un avis de recherche va être également lancé pour la compagne d'Amédi Koulibaly, pardon. Donc c'est Hayat Boumediene qui a 26 ans et elle va s'enfuir et rejoindre la Syrie. On le saura également plus tard. Peu avant 17h, après plusieurs heures de confrontation, les policiers et les gendarmes d'élite donnent quasiment simultanément l'assaut à Dammartin-en-Goële, donc à l'imprimerie, et à Paris, à l'hypercachère. À Dammartin, donc les frères Kouachi vont être tué en tentant de sortir en tirant sur les forces de l'ordre. Donc le frère aîné Saïd a été légèrement blessé au cou par un tir de riposte d'un gendarme survenu dans la matinée. Donc il a été blessé suite à des échanges de balles. Et l'otage donc, qui était retenu prisonnier par les frères Kouachi dans l'imprimerie, donc va sortir indemne et un membre du GIGN va être blessé. Tandis que pendant ce temps-là, à Paris, Amédi Koulibaly est tué au terme d'un assaut sur le magasin hyper cachère, comme je vous l'ai dit avant. 4 autres personnes ont été retrouvées mortes dans le supermarché, donc c'est vraisemblablement tué par le preneur d'otage dès le début de l'attaque, et 7 personnes ont été blessées. Donc les premiers éléments de l'enquête ont révélé qu'Amédi Koulibaly avait piégé le magasin avec des explosifs. Donc voilà, j'espère que ce 18e épisode d'Affaires Criminelles vous a fait plaisir, que vous en avez appris un peu plus sur l'affaire Charlie Hebdo. Si c'est le cas, comme d'habitude, je sais que vous êtes très répondant à ce genre d'épisode d'Affaires Criminelles et je compte sur vous pour lâcher les pouces vers les commentaires. Voilà, c'était Monsieur Moret, ciao, bye bye et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et aussi, dernier petit mot avant que je vous laisse, j'aimerais franchement que vous soyez mature et responsable quand vous écrivez un commentaire, donc si possible, et j'aimerais vraiment qu'il n'y ait pas de commentaires à caractère raciste, à caractère religieux ou quoi que ce soit d'autre, parce que moi je suis juste là pour vous relater les faits des affaires criminelles
Et donc, comme les précédentes, je ne veux aucun commentaire de haine. Je ne veux pas de personnes qui crient au complot ou quoi que ce soit. Moi, comme je l'ai dit juste avant, je suis juste là pour vous raconter l'histoire, ce que j'en sais, ce que je récolte sur Internet. Voilà. En tout cas, ben, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Et de toute façon, elle sera envoyée bien sûr à plusieurs chaînes communautaires. Cette fois-ci, je vous dis ciao et on se revoit bientôt. Allez, ciao. Un beau combat, messieurs. Je savais qu'on avait bien fait de vous engager.